수가 완전 좋아. 지금 들려. 너 이름이 뭐야? 나 준이야. 나도 준이인데. 여자애 말이야. 목소리도 준이랑 똑같은데. 목소리를 흉내내서 순차야 벌리게 만드는 거 알려져 있어. 엄마? Mimic, film horrifique hein, sud-coréen, encore né chez nous, est un amalgame foireux hein, des poncifs du genre. Mal filmé, monté avec le cul, étalonné avec la bite. Laissez-moi vous dire que vous allez en prendre pour votre grade question causalité. Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il dit cela? Mais où est passé tel personnage? Quel est le lien entre tout ça? Alors, autant de maux de tête que le film essaye de combler une fois toutes les demi-heures avec une séquence censée traumatiser son audience, à coup de trucs visuels et de tocs de mise en scène, hein, genre je veux dire les miroirs comme on les a déjà vus hein, en fait au cinéma. Tandis que l'incompréhension s'étale sur visage. Horriblement joué, dirigé, hein, dirons-nous, et à la limite du nanardesque, personnage des inspecteurs de police, quoi, je veux dire, l'ombre d'eux-mêmes, le film se conclut par des plans survolant la forêt, voix off surmixée en rappel de rien d'ailleurs, afin de nous faire comprendre qu'en fait, la forêt et ses arbres, c'était eux les véritables personnages du film. Quid de la grotte et de son boogeyman, quid de la grand-mère et de son passif de petite fille, où va-t-elle, que devient-elle, quelle est l'origine de ce monstre et de ce tunnel perdu loin de tout, quel rapport avec l'enfant disparu du couple principal, et pourquoi, et comment, et quelle allégorie? Vous avez prévenu, regardez Mimic version sud-coréenne en 2018, c'est s'exposer à saigner de la tête, à saigner des oreilles, des yeux et du cul. C'est surtout s'exposer à un ennui aussi abyssal que le propos du film. Junya. 여자애가 보인다면 머지않아 장삼범도 보이기 시작할 거야. 어떤 소리도 내면 안 돼.